sud, de l'est à l'ouest, en haut, en bas, gaillé, nouvelle là, nous prenons antenne, nous dans la cuisine, nous jeudi, nous avons un grand invité, pas n'importe qui invité, nous sommes capables de faire un welcome et bon côté maintenant là, c'est monsieur le docteur, bien on me dit, il faut mettre une demande, docteur, même si le papa est piqué, docteur Jean, fils aimé, qui a accepté de venir dans la cuisine avec nous, docteur, nous avons dit bonsoir. Merci Dieu, merci parce qu'on invite nous. C'est un plaisir pour moi pour me capable de camper dans la cuisine. Non, pile belle bagaille, on va le faire. Oui. On pile belle bagaille. Mais pas compter sur moi. Parce que vous avez pas compter sur moi. Je vais tout faire. Ça, comment on fait pour me faire manger? Est-ce que c'est parce que c'était trop macho? Ou non. Au fait, dans la famille, famille, moi. Oui. Ok. Tout garçon dans le cara qu'on fait manger. Ok. Au fait, c'est seul moi, je ne sais pas si je n'ai aptitude ça. C'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un qui est tellement exigeant toi que tu es. Si je ne suis pas très bon dans les choses, je ne peux pas faire. Mais je m'apprécie le talent de monde qui, surtout garçon, qu'on fait manger. Et je toujours dit que il y a deux choses pour me faire avant de mourir. Il faut mon excellent cuisinier. Donc, pourquoi mourir? Pourquoi mourir? Il faut me danser tango bien. Oh, donc, oui. Mais ouais, ça. Oh, mais, ça, bon bagage. Donc, l'autre dit que c'est dans le cadre de l'émission cuisine. Dit bon, m'a vini, pour m'apprendre. Voilà. Non, mais si, si mettez du feu dans le studio. Ça va arriver parce que nous là. Nous saluons tout le monde qui branche, toute fanatique émission. Ça a fait manger avec Merci Dieu. Qui c'est une émission, une nouvelle émission qui fait prendre antenne. Une nouvelle émission que en pile monde a bien intérêt à regarder avec un pile qui est content. Docteur, nous avons un tablier. Je ne sais pas si je vais me tablier. Est-ce qu'on va mettre avec veste là ou bien on va retirer veste? Non, mais pas retirer veste. On va retirer veste. Ok, bon, voilà. Nous pas fait avec ça. Voilà, donc, ok. Technicien, nous, monsieur Cliff, Clifford Exact, oui. Cliff Mix, qui est dans le studio, c'est lui-même qui a fait coordination pour nous, c'est lui qui a géré toute bagaille, qui a fait nous paraître l'huile dans la caméra, là, je dis. Qui a fait image à l'huile. Exactement. Donc, là, nous avons un poulet entier, mesdames, messieurs, qui est déjà mariné. Ou sur l'entier, mais on tête là, non? Non, nous avons 90%. C'est ça. Oui, 90% entier, tête libre là, vraiment, puis on va là. Mais il y a une cuisse là avec zèle. Donc, on a mis le four. Ok, en tout temps que lui-même là, l'abdoré dans le four, nous allons parler, nous allons dialoguer avec le docteur, nous allons essayer de découvrir qui est ce monde et puis qui ça l'a fait. Parce que un pile monde a regardé sur les réseaux sociaux parce qu'il publie en pile, il non seulement il écrit et puis il publie vidéo tout. Qui compte on vient découvrir passion tout d'abord pour les réseaux sociaux? Au mois de mars, pas si longtemps que ça. Au fait, on était toujours campé très loin de médias sociaux parce que ben, ça ne m'intéressait pas. C'est drôle. Hein? Oui. Au fait, premier, mon capable d'attirer attention sur nécessité pour sur médias sociaux, c'est lorsque ça a gagné 5-6 ans maintenant. T'es publié un petit roman pour les jeunes avec. Bayard, les éditions Bayard, qui sont à la fois en édition française et en édition québécoise. Mm-hmm. Et puis, au moment que roman pour le sortir, et puis, éditrice Larelle me dit, ah, de nos jours, l'auteur fort présent sur les médias sociaux. Et j'étais un peu hésité parce que, bon, bof. Mon percevoir dans un personnage public, mais en réalité, moi-même, je suis un monde qui est un peu très, secret. Je pense que c'est bien le m'a en public que mon public. Donc, on vit en public sans qu'on parle. Sans parler, Et puis, on me dit oui, m'accepter, mais là, c'était exclusivement Facebook. Par la suite, au mois de mars dernier, l'un vient l'autre livre qui a sorti, donc enfin peut-être 13e ou 14e livre. Hein. Au moment que les livres programmé pour le sortir, vient un confinement. Oui. Donc on y est, éditeur moi dit ah, ou quand même un lectorat, ou bien des monde qui est attaché à vous-même, tant pour nous repousser. Lancement jusqu'à ce que physiquement nous venions à rencontrer pour que ça nous pas tenter l'expérience de un lancement virtuel. Et c'est ainsi donc que nous pouvons faire connaissance dans l'équipe, entre autres de Winnie J. Winnie J, avec qui est-ce déjà travaillé, qui nous salue. Et puis, il nous salue et tout. Et le but, le ça, c'était une seule capsule. Présence, une seule capsule. On dit bon, n'a pas un lancement à une date X,
et pour nous faire yon, pour nous tester marché a, pour nous tester appétit moun yo, yon semaine avant lancement n'a fait yon capsule. Et bien mais voilà que après capsule ça moun yo tellement te gangouement, mais on se retrouve maintenant à chaque semaine avec deux capsules. Oui, semaine, oui, des sujets super intéressants. Oui. Chaque semaine gros sujet qui plague, puis on dit waouh, ça faut me garder, et puis on gagne l'impression comme si que chaque ça on regarde ou attendre yo, c'est des choses que vraiment ou t'es soif connaît ça que je veux dans tant mieux. Ah bien c'est soif ça qui fait encore que nous là, parce que même j'aime dire mon parent mon fait radio fait depuis l'âge de 15 ans, oui. Ça veut dire que plus on monde de studio, okay. Radio, mm-hmm. Mais ça bon pour moi parce que on ca cacher dans un micro ou attendez mon pas web. Donc, mais chita devant caméra et encore une fois être présent sur les médias sociaux, ça me pas comme ça du tout. Et puis me pas sous ça non plus. Okay. Donc pas de aucun intérêt. Oui, fait je ne sais même pas si mon passion pour ça. Je seulement dit que puisque semblait qu'on public qui intéressait à ça que n'a fait, eh bien bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Okay. Voilà. Mm-hmm. Alors mesdames messieurs, c'est ça. N'a suivre fait manger. Merci Dieu. Je vous dis à inviter nous c'est docteur Jean Fizemi qui accepté venir dans la cuisine pour passer moment ça avec nous. Même si que il pas fait manger, mais il est capable de partager. Oui, même manger. Ou manger très bien. Voilà. Alors oui. Nous prenons laver mais nous mesdames oui. Messieurs, pour nous commencer faire ça. Pas oublier que nous avons salade. Nous avons laitue là, sont les laitue romaine. Uh-huh. Nous allons faire une salade César. Uh-huh. Et puis pour nous manger avec un poulet entier. Uh-huh. Entre temps, nous allons laver mais nous, nous faisons laver mais nous, on a pris une petite pause et puis après pause là, nous allons poser des questions super intéressantes pour parce que vous connaissez que nous t'arrêtons, docteur, à répondre avec des questions pour nous et vous connaissez que c'est tout de suite après pause là qui a fait le plaisir pour les partager avec nous et moment ça. Donc, restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment encore. Merci. Si la tête a brandi fait côté au bras le ami. Comment nous y aimons, c'est merci Dieu. Moi même merci Dieu, je ne pas regarder l'autre télévision de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est sur le télé radical, moi branché. Passé en haut, passé en bas, n'a pas compté sur le télé radical. Qu'on fâche, qu'on content, télé radical. Jésus là! Oui! La moi, je décrédit, c'est 5 mamba ou m'a pas compté. Non, télé radical! Je suis un peu plus jeune. Voilà. Oh my god. Et bien Chita. Oh my god. Too much. Oh my god. What is going on? Oh non. Et puis on t'y va, Liz. Salut tout le monde, nous sommes présentement dans les studios de Télé Radical pour vous présenter tout simplement Titine, mon émission à votre voix. Simplement Titine est le show à découvrir de nouveaux talents et bien sûr à suivre les anciens artistes que nous n'avons pas vus depuis très longtemps. Alors je vous invite tous, c'est un rendez-vous. Même pensé, moi, on a supposé gagner identité pâle à la place d'imiter. On va chercher, garder notre nom et puis imiter ça à faire. Exact. L'étape préférable, si. Parce que nous sommes dans un pile monde, comme si vous connaissez ma produit un pile monde, mais style, vous ne pas vous-même, vous pouvez sortir avec. Vous avez ça, question ça. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
terre. Y aller chercher qui bon la vie fait quoi. Nous pas gagne ça nous. Ou après nous dans l'église ou bien c'est ou bien on tirer un cours particulier pour de musique. Bienvenue au plateau Téléradical. Je me nomme Shiloh Mead, je serai votre animatrice pour l'émission Tabou. Alors, cette émission recevra des personnalités publiques ainsi que monsieur et madame tout le monde qui ont vécu une expérience de vie sombre et marginalisée. Alors, je vous attends à chaque semaine sur la plateforme Téléradical. J'espère vous voir en grand nombre. Merci. Monsieur, nous toujours dans la cuisine, non? Ou avec Merci Dieu, avec invité nous aujourd'hui, qui c'est monsieur le docteur Jean Fizimé. Bon, docteur, moi-même, je te reconnais tout pour la première fois. Je suis plus jeune, je suis à peine commencé dans le domaine comédie, je suis qu'on a chanté. Je te reconnais tout en tant que pasteur. Mais je dis, je ne dis pas pasteur, nous dis docteur tout court, mais est-ce que titre pasteur a toujours gagné ou bien son titre que vous détachez au délit? Bonne question. Toujours gagné parce que c'est un pasteur qui ordonné. Okay. Mais souvent, d'ailleurs, la question ça, c'est est-ce que n'a fait responsabilité l'église? Toujours non. Okay. Et si on me demande pour qui ça, c'est parce que croyance moins évolué, c'est-à-dire. Pas même défini peut-être moins encore okay. Comme un chrétien dans le sens que dans le monde qui croit dans un certain nombre d'articles de foi que le christianisme t'est proposé nous alors on monde qui a tout de suite dit après mais pour qui sont aucun petit pasteur mais c'est parce que pasteur c'est un titre qui fait appel à quelqu'un qui sont guide d'un point de vue spirituel qui sont guide d'un point de vue religieux okay. Et puisque il parle pas d'autant que le titre pasteur précédait le christianisme le titre de pasteur son leader son monde dit qu'on conduit mouton donc son leader dans une culture culture de mouton, non culture d'avarelé agricole, etc. Okay. Et bien, je dis, ah, puisque mon corps remplit ce rôle dans mon émission, entre autres Lumière sur le monde, côté que nous gagnons capsule par semaine, côté que nous prenions questions religieuses, que nous traitons d'un point de vue théologique, d'un point de vue historique, et bien, garder encore le titre. Et pourquoi docteur? C'est parce que me détenir un doctorat en théologie. De l'Université de Montréal, donc son PhD, donc le titre de docteur s'explique ainsi. Okay. Mais c'est vrai que l'on est qu'on aime, l'on est qu'on chante l'église là, l'on est qu'on aime comme un pasteur, prédicateur, responsable voilà. De l'église. Voilà. C'est là que tout a commencé. Ok. Là, quand on est dans la salle, ça me fait comme job. Oui. Ma barre où il y a un bossin de couteau là, ok, il y a un couteau, ou même moi, juste découper salade là comme ça. Ou faire confiance pour ça. Je pense que je suis capable. Parce que où sont docteur, on va faire. Bon, docteur,
tout le monde. Il a blessé tête. Attention, attention, nous bon là. Nous bon. Non, jusque là, ça va. Ça va super. Mais vous avez fait mon devant vous là. Il y a des gens qui ont nul là, fait qu'un B. Qu'un B couteau. Ouais. Oh oui. Est-ce que ça va? Ça va super bien. Qui côté où né, qui côté où sorti, qui côté où grandi? Oui. Au fait, je fais au cap pour garder ça. Oui, le cap, oui. Oui, je fais dans. Oui, 8 Tiguinais. Tiguinais, pour qui ça Tiguinais? C'est parce que toi, quand le monde qui était dans la zone, ça, d'abord, songez, pendant la période d'esclavage, le Nord te recevait plus grand nombre d'esclaves. Oui. Et c'est ça qui fait trois cas révolution, trois cas soulèvement, trois cas leader révolution haïtienne, non, c'est dans la zone Nord. Non, c'est dans la zone, oui. Et dans la zone côté me fait là, c'était surtout des esclaves qui étaient sortis directement de la Guinée. Et ça qui a été Léo, Petite Guinée en français. Okay. Donc en créole, Tiguinais. Donc on a même fait dans oui 8 Tiguinais, 110. Oui 8 LM numéro 110 au Cap Haïtien. Oui. Et en fait là, je grandis là, à l'école là, au fait. L'homme était victime dès qu'on a passé vacances avec papa, moi, pour au prince à un certain âge. Oui. Même très peu qu'on ait, du moins. Papa dans la Haïti, très peu qu'on est l'autre côté en Haïti, sinon que au Cap côté, okay. Côté que me grandis, c'est là mal l'école et me quitte Haïti tout de suite après que me finis secondaire classique, hein, donc ça n'est les philo, okay. De manière pompeuse et puis mais voilà, okay. Et là, ça me vient du Canada. Okay. Où son père, où gagne combien de filles? Oui, j'ai quatre petites filles. Ok, quatre filles. Quatre, oui, quatre. Mais wow, quatre comme on dit les bambes 12. Donc il y a quatre qui chantaient, même j'entends pour vous-même. Oui. C'est les fils aimés, les sœurs fils aimés. Les sœurs fils aimés, si nous pouvons voir dans la télévision, ils ont chanté. Donc ils ont chanté, puis ils ont tous musiciens, tout. Donc, oh, ils ont joué musique, tout. Ils ont joué instrument. De ok, musique, ok. Plusieurs d'ailleurs. Ok. Docteur, là on passe sous test encore, ou pas dans le monde. Qui sont-ils aimés ou retenus de haut? Il y a des gens qui étaient cherchés à ouvrir les yeux communauté sous valeur. Oui. Qui cherchait à ouvrir les yeux communauté sous façon que vous essayez qu'un des communautés a dans sa communauté les zombifications. Oui. Et son monde était seulement cherché contribuer à dézombifier la communauté. Donc si le mourit, vous avez écrit ça sous ton boom, mon chef t'a fier de mort. Il t'a brûlé, il t'a très bon. Nous avons un petit bocal là dans l'émission, hein, côté que nous faut inviter à piger. Oui. Ou même exclusivement, bocal là, je dis, hein, la plus dirigée des questions qui est adressée typiquement à vous-même. Ah oui, donc ça veut dire. Ça que... passe avant hein, pour me choisir ou t'es qu'à choisir tout, puisque c'est des questions qui. Alors non, mais c'est pas moi-même qui écris, on va prendre le. Ah d'accord, très bien. Donc c'est-à-dire qu'on a plus la surprise ni pour moi ni pour vous. Ah mais d'accord, donc on va choisir. Et garder pour première question, hein, okay. Et puis d'après, et puis ah, ça, bocal là, oui. C'est plus des fanatiques, des mondes que nous t'ai dit qu'on a recevoir docteur là et puis nous qui fait des questions. Qui fait des questions. Voilà. Oui. Alors première question c'est Vaudou, je me souviens, uh-huh. Édition revue et augmentée, uh-huh. 376 pages. Pourquoi? Oui. Eh bien c'est parce que c'est le premier livre moins que m'écrit hein, qui sorti en 2007. Au fait. Me soutenir thèse de doctorat moi en 2003. Ok. Depuis le me soutenir thèse de doctorat en décembre 2003, donc ça fait 17 ans déjà. T'es mon éditeur qui après soutenance moi vient ouais moi il donne quatre il dit m'relève les besoins. Donc dès le lendemain m'relève il dit ah sujet intéressant détaiser ça veut dire retirer toute bagaille complexe méthodologie pour nous capable rendre lecture plus facile leur pari me prête à publier au gain de l'eau là tout c'est ça bon. Donc premier livre ça a sorti effectivement 4 ans plus tard en mai 2007 okay. Mais son livre qui était un succès énorme oui, son livre oui, qui oui. Tiré à plus de 10 000 exemplaires voilà. Et les gens pas continuellement d'elle c'est comme si malgré moi écrit 13 livres après ça. Dans tête mon yo, c'est livre ça qui marqué. Ça arrive souvent là on écrit plusieurs livres, premier livre là, il marqué imaginaire mon. Par okay. Exemple Dany Laferrière écrit oui. Plus de 30 livres mais oui. Tout le monde s'était là parlé de comment faire l'amour avec un nègre oui, sans se fatiguer. Donc premier livre ça a tellement marqué mon yo que pour
10e anniversaire sorti livre. Là, donc, livre a sorti en 2007. Donc, en 2017, éditeur me dit, mais nous faisons édition, revue et augmentée, etc. Donc, nous chita, nous mettons à jour un certain nombre de statistiques et puis nous ajoutons peut-être un ou deux chapitres qui viennent bailler. Deuxième édition, ça. Donc, c'est essentiellement pour ça. Ok. Oui. Si par exemple, docteur, ou t'as un bagage ou t'as un changer dans la personnalité, c'est qui ça le tapis? Bon, peut-être qu'on a dit à l'âge ou on dit alors, on va besoin de changer. Est-ce que. Qui ça t'a changé? Ah, m'intéresse ça à tout bagage. Ok. Le m'te petit, m'te gain difficulté, le m'te commandé, mais qui ça va pouvoir le choisir? L'ovine grand, oui. qui domaine on va l'entrer. Eh bien, dépendamment de jour, semaine, non, dépendamment de mois, dépendamment de humeur, moi, m'intéresse à un bagage. Moi, j'ai l'homme très petit, m'étais intéressé en pile à faire astronaute, m'étais voulu à explorer d'autres planètes. Ok. Et puis après ça, bon, on l'aime songer, m'étais souhaité faire médecine vétérinaire, moi, mais bête en pile parce que. Dans la cour, la caille, nous avons gardé des poules, nous avons gardé. Et puis, nous avons une passion pour fourmis. Donc, nous avons que nous avons communiqué avec fourmis et que nous avons compris moins. Nous avons chita pendant longtemps, nous avons gardé un fil de fourmis. Et puis, nous avons essayé de comprendre qui est notre tête à fourmis et comment nous faisons pour nous. Mais qui sont comprendre les gens qui disent les mourir fourmis à côté de nouvelles pour moi? Leur dit les mourir fourmis à côté de nouvelles pour moi. Il y a plusieurs explications à ça. Il y a une explication culturelle parmi haïtiens, parce que parmi noirs, dans le sens que dans le cimetière, toujours un pile fourmis. Okay. Donc, côté que personne moun pap ka rentre, fourmi ka rentre parce que le petit. Mais une explication scientifique derrière ça aussi. Okay. Ou qu'on est affaire agriculture, c'est une découverte très récente pour les humains. Oui. Parce que avant, humains yo c'était des nomades. Oui. C'est-à-dire yo chassé, yo cueilli, le pa gen bête encore pour yo chasser, le pa gen encore fruit pour yo, enfin le pa gen bête pour yo chasser, le pa gen fruit encore pour yo cueillir, yo déplacé. Eh bien, jusqu'à ce que il y a 10,000 ans, nous pas le faire connaissance avec agriculture. Ça veut dire nous pas le dit tête en nous ka planter et puis nous chita là, nous tente pour nous récolter. Mais est-ce qu'on est que la petite histoire pensait que c'est grâce aux fourmis que nous découvrions l'agriculture? Ah bon? Parce que fourmis, c'est une espèce animale qui est très intelligente, qui est très développée. Je montre deux bagages que nous apprenons de fourmis. Mm-hmm. Premier principe que nous apprenons de fourmis, c'est après principe cimetière. Oui. Sous bien garder, l'œil fourmi mourit. Dans une colonie de fourmis, on va réaliser que il y a des fourmis qui spécialisées pour retirer fourmis qui mourissent parmi eux. Donc principe à faire cimetière parce que fourmis déjà gain le réflexivement comprendre que un cadavre qui est en décomposition qui a tué toute reste colonie. Depuis qu'on fourmis mourent en côté, on va pas réaliser qu'il y a des fourmis qui retirent parmi eux-mêmes ou bien fourmis vivant yo qui te place là. Oui, il y a le gros flot l'autre côté. Si tellement vrai que parfois sous envie fait sous une colonie fourmis la caillou ou envie fait courir tuer deux ou trois fourmis dans yo, mettez fourmis qui mourir parmi yo et quitter le pour. Ça c'est premier bagage que n'apprend de fourmis apparemment. Donc c'est affaire cimetière. Mais deuxième bagage nous apprendre de fourmis que nous pas toujours songer, c'est principe agriculture. Qui sont remarqués? C'est fourmis capoté d'ailleurs des poids qui ca jusqu'à 4-5 fois plus lourd que poids. Oui. Eh bien, qui sont les fourmis fait? C'est ça que je dis, fourmis pas jamais mourir en bas sac. C'est ça, c'est pour l'autre bagage. Fourmis pas jamais mourir en bas sac. Et qui sont les fourmis en fait? Le poté manger à la gueule en côté. On nous dit nous-mêmes comme humains à observer. Oui. Les petits graines ou bien un fragment d'un grain, les poté les lagué l'un côté. Après un certain temps, dépendamment de ça lagué à où est ça pousser. Il pousser. Eh bien, scientifiques pensent que principe agriculture, nous-mêmes les humains, nous-mêmes les Africains, parce que c'est nous-mêmes en Afrique qui découvrit ça, ils pensent que c'est la culture de blé qui est la première culture que nous avons découvert. Eh bien, nous avons apprendre ça de fourmis. Donc, l'œil dit que si mouri fourmi à côté nouvelle, fourmi c'est une espèce qui très intelligente. Et m'a suivre sous National Geographic et pas publicité m'a fait pour non des séries de documentaires sur fourmi passionné. Donc souvent des qui ça passionne aujourd'hui, m'a grand pile passion, m'a pas qu'un seul, exactement, plusieurs livres en même temps et on a
et pendant un moment ça, mal animé, je suis crié en et le bruit fait votre DJ, moi-même, entré. Quand même, mon DJ a dit comme ça, oh, groupies, yo, c'est l'autre boy, on va aller. Yo dit comme ça, oh, s'il vous plaît, faites photo avec artiste là, à l'autre boy, on va dire. Mais pas bien, il était annoncé que c'est vous-même qui t'a fait animation. Oui, mais yo-même, yo pas de connaître. Ok, ok. Yo pas de connaître, c'est moi-même qui t'a animatrice en seulement, mais trop grave. Je prends mes coups, tellement pété Chawan, tellement fait quoi. Ah, monsieur, moi, j'aime pas donc. Il y a un projet en fondation tout très bientôt, dans Haïti. Oh, c'est intéressant. Et, ça peut être une pile parole en pile là, c'est que vous ne pas prendre qui. Bon, qui aurait dit que ce mot est anglais, il y a un projet en l'église. Quelle église? En l'église. Bon, ça aide pas besoin de faire l'église. I swear. On l'église en fait? En l'église. Ok, yo, écoutez où? Ouais. Ah oui? Ouais, okay. Pas tout le temps. Pas tout le temps, ouais. Mais quand même, une fois. Ok, qu'est-ce que tes amis disent de toi? Quand ils en parlent entre eux, ils disent, man, qui ça a toujours dit? Mais ils disent toujours que je suis drôle, que je suis quelqu'un de. Comme qui rend l'ambiance. Qui, exemple, qui, quand c'est plat, moi je rends l'ambiance meilleure, tu vois. Ah oui? Ouais. Dans 5 ans. Mais quand tu dis soit acteur ou youtubeur. Mm-hmm. Mais t'as déjà parti ta chaîne YouTube, comment ça s'appelle? Ça s'appelle luv.terii. L-U-V. Ouais. Tu peux réussir à n'importe quoi. Tu vois, si t'as quelque chose à atteindre, atteins-le. Et pas peur, tu vois. Est-ce que t'as une copine? Ouais. Oh! Oh, nous va te commander ça dans l'émission. C'est dans l'aéroport international de Miami et où qu'on est, là on fait croiser avec un monde, oui. Etc. C'est Jean-Fils Aimé, on fait connaissance, qui soit fait dans la vie. Oui. Et puis moi-même, je suis très fier pour me dire, bon, m'a fait doctorat à l'université McGill et m'intéresser au travail sur Heidegger. Mon cher, monsieur, qui sont missionnaires, qui travaillent en Inde, en Afrique, oui. Les dis-moi avec une posture de condescendance, nous-mêmes noirs, nous intéressés à faire recherche ou à faire l'autre monde faire pour qui ça nous pas faire recherche sur propre tête nous pour wow. Développer le pays nous. Wow. Eh bien, élément ça, c'est ça me l'on élément déterminant dans le parcours moi. Oui, oui. Puisque le ça nous t'a fait de 4 heures d'escale entre vol Montréal-Miami et Miami-Haïti. Hein? Uh-huh. Puis dans la période que nous avons parlé là, c'est oui. dans les années 90, etc. Eh bien, parce que 94-95, je vais finir de songer. Okay. Le ça, 30 minutes avant, on vole ou qu'après un avion. Donc, qui ça me fait? Je prends un yellow cab de l'aéroport là, je vais aller dans Little Haiti, je débarque dans la librairie les Mapou, je m'achète tout livre qu'on a. Qui sous parlait vaudou. De culture haïtienne sous okay. Vaudou. M'acheter le vaudou haïtien d'Alfred Metro. Alfred Metro, c'est un auteur européen qui c'est un premier monde qui écrit une œuvre complète sous vaudou. M'acheter le vaudou, enfin Dieu dans le vaudou haïtien de Laïnec Urbon. M'acheter l'autre livre encore sous vaudou. Et puis me dit tête moi que si, ça c'est intéressant, oui. Si je prends avion et que je lis un livre sous vaudou, sans que bon Dieu pas fait avion exploser, c'est que c'est preuve que m'a continué faire recherche en sous vaudou. Eh bien mon cher, depuis notre vol. C'est parce qu'on t'a une ouverture d'esprit. Oui, une ouverture d'esprit, mais ouais. là ça me peut quand même. Oui, me peut quand même parce qu'on oui. pasteur traditionnel, oui. on aime oui, oui. traditionnel oui. très orthodoxe pour qui vaudou ça fait Satan, ça fait diable qui décidait prend un premier livre, appliquer soit faire vaudou. C'est ça. Mon cher, me fait à peu près deux semaines en Haïti. Dans l'avion encore. Donc, me fait à peu près deux semaines en Haïti. Et qu'on y a le map prend avion de Miami vers Montréal, qui c'est 4 heures de vol. Et bien, me dégète en fini 3-4 livres que m'd'acheter. Wow. M'débarquer mes guilles, me dit m'a changé sujet de thèse. Ouais. Maintenant, pas de spécialiste de vaudou à l'université McGill, oui. le SAIO, ils ont voué moi à le rencontrer. Il y a un jeune chercheur qui est un psychanalyste, okay. qui a fait doctoral lui-même, soit fait parler en langue, parler en langage oui. dans vaudou. Okay. Puis mon cher, ça c'est le monde qui a une loi. C'est ça, le monde qui a une loi, puis il a parlé des langues fond, il a parlé des langues que lui-même pas toujours comprendre. Okay. Et bien, voilà, c'est ainsi. Donc, petit à petit, je vais commencer à lire sous vaudou, je vais concilier. Et puis, je me rends compte que
dans la famille, tu as toujours gagné de grands vaudouisants. Grand-mère, moi, okay. maman, c'était gros vaudouisant. Okay. Papa, c'était gros vaudouisant. Okay. Maman, papa, c'était vaudouisant. Mais tandis que maman lui-même, à la suite de l'expérience, maman était chrétienne protestante. Okay. À la suite de yon maladie, elle était gagnée. Puis bon, elle était persuadée que c'est mon vaudou bay maladie. Donc maman toujours campé loin de vaudou. Okay. Qui fait que moi, je suis maman. Okay. Mais l'homme vient notre doctorat. Donc, petit à petit, m'a réconcilié, puis bon, vin rendre compte que conseil de bagaille que n'était qu'on dit sous chair par rapport à vaudou qui pas compatible encore avec conviction. OK. Et petit à petit, vin rendre compte que m'pa ka continuer maintenir mes croyances vaudou pour m'a prêcher c'est dans Jésus qui gain salut, c'est dans ceci. Donc c'est ainsi donc me démissionner comme responsable d'église en novembre 2006. Donc ça fait 14 ans quand 14 ans, OK. Pas responsable à faire l'église, l'église encore. Mais est-ce que on pense que dans moment ça ou fait des ennemis parce que gain monde qui dans l'église ou monde qui t'a à suivre ou des dans troupeau parce que vu qu'on tombe berger, comment ils viennent réagir même par rapport à ça? D'abord, si là on gain des convictions, on va même poser tête aux questions. Combien l'aide nous on va le gagner, combien c'est sûr que il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui sont déçus. Au sein de ma propre famille, il y a des gens qui ne parlent pas avec moi encore. Oh, comprendre oui. que mon yo, depuis 2000 ans, hein, il y a dit nous que c'est Jésus qui Dieu, salut, c'est dans Jésus, et, ou même comme noir. Ou bien malédiction comme sous tête tout et que seule façon pour sauver faut rentrer dans Jésus. Mon qui te prend comme esclave yo dresso comme ça et moi même comme pasteur c'est ça me déconne prêcher tout. Et puis voilà que on dit mon yo non, yo t'es trompé nous, ça me déconne dit nous hein, il faut aussi mes vérités à connaître. Grand pile monde qui déçu, grand pile monde qui choqué, gain des anciens camarades de classe, des condisciples que m'étais étudié dans séminaire avec eux, qui je dis à pas même la main si nous croisons côté parce que c'est diable non parce que c'est diable dans vaudou monsieur Ongan monsieur wow. Bon tout petit yo gen moun même dit mais t'es Christ n'ai yo écrit ça même sur internet l'homme pas entrevue Haïti au diable bon songe l'homme dans la dernière fois mal Haïti et que enfin il y a 4 ans oui ça c'était sous invitation Valérie Numa dès qu'on livre soit fait histoire protestantisme en Haïti. L'homme fin ba entrevue à Dandin, Marvel Dandin, la radio Kiskeya. Eh bien, Liliane Pierre-Paul rentrait en catastrophe dans le studio radio Kiskeya. Lirele Valérie lui dit non, nous pas qu'à quitter pasteur sans protection. Jean protestant ou fâché là après les pour faire une menace. Bah, sérieux. Donc, on fait 8 jours en Haïti, nous toujours gagné 3 policiers 6 mots autour de moi. Wow. Quel que soit côté malé, dans l'hôtel, devant porte hôtel là, j'ai des policiers 6 mots parce que j'ai des protestants qui étaient menacés puisque on vient dit que il pas gain Jésus, que Jésus, c'est pas haïtien, enfin c'est pas Jésus haïtien besoin, c'est on retour vers son identité vaudou. Ça a été mal reçu. Yeah. Mais voilà. Mais tu vois, on bocal là peut-être qu'on capable faire une question tout qui fait suite à ça n'a pas parlé. Donc m'a prend ça. Donc ça avec le temps là, avec le temps, songez que me soutenir thèse au doctorat. Ça a 17 ans. Mm-hmm. Avec le temps, bagay ça ouvine ba déranger moi. Oui. Parce qu'on vient faire face avec l'empile. Oui, mais pour venir dire, bon écoutez, chaque monde chemine en gens et m'a pas exiger que tout monde ouais bagay même genre. Donc je suis mon chemin. Mm-hmm. Mm-hmm. Question ça lui dit dans 1 Corinthiens 15 verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Comment on a décrit ce verset ça, ou même qui dit Jésus est mort pour pas pécher? Ah, au courant, oui. Comment on a décrit ça? Paul, c'est m'interpréter Saint Paul tant qu'on est qui dépressif. Ok. Saint Paul, si on est qui était tellement zélé en tant que juif pour judaïsme, si ma prend la lettre ça, acte des apôtres dit sous Paul, mais acte des apôtres pas toujours dit bagay qui vrai, non? Oui. Eh bien, Saint Paul vive yon traumatisme qui fait qu'il vient sombrer dans la dépression. Il vient rendre compte que toute saleté qu'on a persécuté, yo, peut-être que c'est vrai, c'est bagay qui vrai, oui. Et puis, l'État va vivre une expérience traumatisante, et puis il attribue l'expérience ça à un châtiment que Christ baille. Donc désormais, Saint Paul vient ouais dans Jésus, n'est-ce pas, et dans sa mort, le sacrifice que bon Dieu t'attend pour lui réconcilier nous avec les hommes, pour lui pardonner aux hommes. Donc, le
lire parole Corinthiens ça, à côté que Saint Paul dit que c'est dans le sacrifice Jésus que ça lui gagne. Oui. Moi, ça t'en courant parole en juif qui a vécu au premier siècle et qui interprétait toute histoire li, à la lumière de lunettes religieuses juives que le gagne. Mais parole en juif pas concerné, mais toujours dit ça. La Bible, son livre juif qui est écrit par juif pour faire propagande juif. Okay. Et puisque je suis juif, d'ailleurs, nous relais le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, il y a tous ces ancêtres juifs. Donc, okay, grand bien à juif là, si que l'identifier là ça, c'est droit à lui et même recommander. Mm-hmm. Moi-même, m'identifier aujourd'hui à une culture vaudou, à une histoire vaudou, m'identifier aujourd'hui à des ancêtres vaudou. Okay. Et voilà, si nous avons bien petit aujourd'hui, il va d'après les Jean, il va d'après les Jacques, il va d'après les Joseph, il va peut-être les Macandal, il va peut-être les Bookman, il va d'après les peut-être Tijan Dantor, c'est entre autres, mais qu'on roman sous ça, mais les Loubaï Dantor. Loubaï sont diminutifs pour loi baille. Okay. Et c'est comme en projection de. D'un garçon que j'aurais aimé être. Donc, okay, si je t'ai jodi à Gintimoun, clairement, je t'ai inscrit Timoun dans nos cultures vaudou. Mm-hmm. Parce que fierté comme noir, fierté comme haïtien, c'est culture. Moi, c'est culture. Mm-hmm. C'est ça. Mes amis, nous allons prendre une petite pause là, parce que nous allons faire un jus papaye pendant que nous parlons pour nous caboter. Ça, c'est un peu blender. Ah bon, ça me fait un peu peser. Commencez par peser, you know. Oui, un, deux, ça, trois, ça me fait ça. Est-ce que le plogue, même plogue, là, tout me plogue. Bon, là, le plogue, il y a là, il y a power là, c'est moi qui va le peser. Pendant que le docteur va le peser blender, on a pris une petite pause, on a tourné tout de suite. On va blender. Fait smoothie, n'a oublié nous qu'a fait drink. Voisin, allons faire smoothie. Ok, smoothie. N'a bien passé avec docteur Fizimi dans les dans cuisine non nous va parce que nous va dans l'église nous va dans péristyle mais quand même il y a des séries de bagages il y a des objets par exemple dans péristyle cliff pour qu'a montrer là que nous connait tant que ça on va chercher même qu'a montrer oui pour qui ça baleine ça il y a toute couleur ça là dedans il pas gagne une couleur unique ben bon il y a baleine qui connait une seule couleur il y a baleine qui connait couleur blanc mais baleine ça pour qui ça gagne plusieurs couleurs c'est parce que couleur c'est vibration et le royaume entité yo, yo se vibration tout. Okay. Donc il y a des couleurs qui concordent avec telle loi, avec tel esprit, tel guiné. Donc si on prend là, ou on baleine multicolore, oui, son baleine qui est utilisé souvent, le roi pral fait une illumination, bien on pral fait une cérémonie qui
en l'honneur de plusieurs lois, de plusieurs esprits, donc on joigne plusieurs plusieurs couleurs dans et au conseil. OK, OK, parfait. Et yo dit me comme ça que dans péristyle par exemple, yo utilisé la Bible. Est-ce que c'est vrai yo utilisé la Bible dans vodou? Oui. Yo utilisé la Bible pour deux raisons fondamentales. D'abord pour une raison historique. Le Africain arrivé en Amérique, tu gagné ça relait le code noir. Oui. Qui t'a fait interdiction à noyau pour yo pas pratiquer l'autre religion que religion met là. OK. Donc christianisme. Okay. Eh bien, Africain qui très intelligent, lui dit tête li seule façon pour me tromper vigilance met là, c'est pas l'impression que mon chrétien vrai parce que yo baptisé 8 jours après le fin rivé dans Saint-Domingue. Oui. Et le dimanche, yo obligé là l'église. Oui. Et yo interdit de pratiquer l'autre religion que religion chrétienne. Donc qui ça le fait? La pral prend une apparence chrétienne. Donc tout ça chrétien servait avec lui. Oui. La pral prend lui pour le détourner vers faire pas lui. Ça c'est première raison. Deuxième raison qui fait qu'on vaudouisant servent avec la Bible. Et c'est même pas tout vaudouisant. Non? Oui. On dit c'est pas dans tout Okay, fort qu'on joigne la Bible. Okay. Mais deuxième raison qu'on vaudouisant serve avec la Bible, c'est parce que un vaudouisant, contrairement à un chrétien, contrairement à un judaïsant, contrairement à un musulman, un vaudouisant pas dit tête li que l'île gagne la vérité et puis là pour le convertir l'autre monde. Un vaudouisant dit vérité à c'est chercher n'a chercher. Mon cas qu'on vérité qui est bon pour moi, mais vérité qui pour moi pas nécessairement bon pour oui. moi. Donc dans cet esprit de recherche de la vérité, tout côté yon dit yon vaudouisan gen la vérité la chercher li. Donc pas gen problème à ce que yon vaudouisan dans certaines perspectives t'as qu'à utiliser la Bible pour deux raisons sur là. Mais j'en dis perspective la changé. Vous m'avez yon l'égrégore. L'on réalise que la Bible c'est l'égrégore, c'est symbole spirituel de l'ennemi ou yo. Ça que la Bible yote kon dou esclaves soyez soumis à vos maîtres. Oui. C'est aussi avec la Bible que yote kon dou que ou même comme descendant de Cam, des Camites, ou gon malédiction sous tête. Ou bien grand pile moun, y compris moi-même jodi a qui dit non. Nous pas besoin utiliser la Bible pour quelque raison que ce soit sinon que pour des raisons historiques. Moi c'est historien, on oui. capable dire que la Bible joue un rôle dans façon que le façonner les humains dans l'Occident. Oui. Donc moi-même, le m'a lire la Bible, m'a lire tant qu'il y a un objet muséal. Ou alors le nom musée. Oui. Ou alors le nom musée. Ou qu'a tombé sur un chaudier qui datait de 3000 ans. De 3000 ans. Ça ne pas signifie que ma pral prend chaudier ça pour me faire durer la donne. Mais le m'a campé devant chaudier, lui permet de réaliser qui côté humain est sorti. Le grand chemin que vous suivez pour avant que nous arrivions à Gonchaudier qui aujourd'hui s'est va avec Teflon. Donc moi-même, pour moi-même, la Bible a une valeur muséale. On s'est va avec la Bible pour me tirer une leçon de fable. Tant qu'on m'a appelé en fable de la fontaine, mais la Bible pas. Pas nécessaire, non. Il n'y a pas de livre sacré, dans le sens que c'est clair que pour un vaudouisant, la Bible n'est pas parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu qui est absolue pour tout le monde. Pour mais on croit en Dieu quand même. Je ne vais pas dire comme ça. Je pense que gagner en énergie première. Okay. Je ne vais pas utiliser le mot Dieu. Parce que dès qu'on dit Dieu, juif là dit c'est pas là. Chrétien dit c'est pas là, musulman dit c'est pas là. En sorte que le mot Dieu vit un mot toxique. Donc nous-mêmes qui êtres humains, qui est-ce qui parle à nous? Qui est-ce qui fait nous? Moi, ça ne me parle pas d'énergie première, mais on sait Dieu. Ok. Ou c'est Dieu. Même c'est Dieu aussi. Ça veut dire quand la Bible dit, nous avons regardé là dans Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé. Non, non, on se trompe, ça c'est de la foutaise. Dieu a tant aimé le monde, c'est quoi cette connerie? Bon Dieu tellement aimé, l'y tuer, on se le bat, mon Dieu va qu'à mon petit. À qui est-ce qu'il fait, qui m'a donné. Il est petit, il est tellement aimé, il est tué pour moi. Même mais est-ce qu'il nous a dit que nous avons blasphémé là? Oui, mais il a dit ça, vous voulez. Le verbe blasphémé, blasphémé en grec signifie dire du mal. Ok. Or, son verbe qui gagne toute ton histoire. Lorsque il y a envie de réduire un monde en silence, dans un pays qui gagne, ça n'est le totalitarisme religieux,
de pour dire un bagage qui critique par rapport à l'idée que au bord de Dieu, d'où blasphémer, mais les gens diront ce qu'ils voudront. Ok, ok. D'abord, persuadé que ce Dieu-là n'existe pas, son chimère. Autant nous imaginer la gars là. Il y a un Dieu qui est tellement l'un même que pour le pardonner, il me tue petit. C'est quoi cette connerie? Il a donné son fils, Noël. Mais il donne à qui? Qui est-ce qui demande des bons dieux que pour le pardonner, il faut le tuer petit? Si, regardez moi-même, si d'ailleurs, mon papa, le petit me fait mon bagage, c'est quoi cette image de pardonner, de faire grâce? Un père ne fait pas grâce, un humain n'a pas fait grâce, on continue d'évoluer. Vous dit on l'a dans l'entrevue que le jour que vous jouez un chrétien protestant heureux, vous jouez un prostitué vierge. Oui, parce que ça n'existe pas. Religion existait parce que les bâtis sous peur. Il n'y a pas de protestants heureux, c'est des gens qui peur. Ils peur Satan, ils peur pour bon Dieu pas fâche avec eux. Ils peur l'enfer. Il y a une pandémie en a ils pensent que c'est bon Dieu qui a puni les hommes, donc ils ont malheureux, ils peur. Donc on dit même Jean Bacage non prostitué qui vierge par définition, ils ont prostitué pas vierge puisque c'est avec col ils vivent. Eh bien ou pas capable de jouer un protestant qui est heureux non plus. Protestant par définition, peut-être que tout religieux, que le musulman, que le judaïsant, que le chrétien, c'est des mondes que vous kembez par les couilles. Oui. Les couilles ici, c'est par la peur. Jumelin, bon, c'est très bon. Bon, allons, on pesait bien, j'en dis. Non, on pesait très bien. Je pense que c'est vous-même qui pesez le qui fait le sort. Non, c'est pas de pesée, le malade qui est juste. Bon, moi, c'est pas de pesée. Oui, alors, et n'a pas avancé là, nous, dans la cuisine, nous allons aller dans le bocal là, parce que nous avons l'autre bagage avant que nous prenions assiette. Pour l'eau là, si je ne pas pesée, il n'est pas aussi bon. Non, mais ça, comme d'ailleurs, mais avant que nous. L'émission finit pour nous peser. Nous peser là avant. Ok, nous allons regarder. Nous toujours dit, dans le langage cuisine, nous avons violence. Bon, violence. On dit nous tout fait du rien, nous crèvons pour nous crèvons pour nous battre maïa. Ça va prendre des paroles, ça ressort. C'est moi, c'est que c'est image, oui. Okay. Mais pas oublier, hein, nous passons comme noirs plusieurs siècles à subir esclavage arabe, oui, esclavage européen, et dans le cas pas nous-mêmes haïtiens, de 1503 jusqu'à quasiment 1793, nous tenons esclavage, donc ça fait plusieurs siècles. Il reste quelque chose de cette violence. La question, ça dit quel est le meilleur moment pour prier? Qui met un moment où on peut adresser la bonté? Au fait, comme haïtien, comme vaudou, c'est pas mot prière que j'utilise encore. Okay. Le vaudou ne prie pas, il parle à ses ancêtres. Okay. Et puisque il parle avec ancêtres lit ou parler lorsant ou pi bien disposé. Mais ça va bon quand on va parler, on mettre ça, on va mettre un petit cuillère dans ça. Moi j'ai un peu, ah mais oui, moi c'est que on fait salade là puis bien. Oui, non spécialiste pour peser. On cuillère. On va pour peser salade là. Vous va peser salade là. Donc mettez ça, that's it. Oui, bien monde, avec un petit sauce. Yon monde adresser la ancêtres lit parce que le vaudou ne s'adresse pas à Dieu. Oui. La spiritualité noire, oui, quoi que les ancêtres sont toujours là, toutes les ancêtres sont là. D'ailleurs, on a pas pensé à eux avant de commencer à manger, vider deux, trois petits gouttes à terre là. C'est ça, je pense qu'on est rituel, ça, pour qui raison. Ah, mais c'est pour son façon pour nous rendre grâce, son façon pour nous remercier la mère terre d'avoir été généreuse avec nous. Parce que les gens ont débouché en bouteille. Ah, ou la guerre. Surtout si vous avez des ancêtres, moi-même, grand-mère, moi, je suis à la fois rhum et café. Okay. Papa, je suis à la fois rhum et café, mais c'est ma boîte de rhum, ou fantigué, vider à terre pour lui. Par exemple, ça. Oui, ça c'est Florida. Ok, lui-même, c'est qui ça le fait dans vaudou? Ah, ben très bien. Son besoin qu'on ait, c'est que spiritualité fait appel à tout sens. Il y a un sens qui peut développer la caille humaine, sous qu'on est. Il y a un sens qui peut développer chez les êtres vivants. Point, c'est pas seulement la caille humaine, chez les animaux. C'est nain. Ok. Donc, odeur, il y a un pile bagaille à voir avec spiritualité. C'est la grande différence entre spiritualité avec religion. Dans spiritualité, on va connecter ou à cette autre partie qui n'en ou qui pas matière. Et tout ça qui a facilité connexion avec cette autre dimension dans l'humain, que les dimensions immatérielles là liées et aux deux. C'est ça qu'on pourrait par exemple que dans plusieurs spiritualités, entre autres dans le judaïsme ou bien dans le catholicisme, à faire un sang
gain importance. Oui. Et bien Florida, c'est parce que ingrédients qu'il y a là-dedans, non, fait le bail un certain odeur qui facilite d'abord qui purifie, il y a des vertus purificatrices et odeur ça a li marché avec certaines entités, certaines lois. Freda remet ça en pile. Ok. Florida, ou pour les gens qui servent Freda, etc., certains jours, ils mettent Florida sous lui. Okay. Donc là, pas l'invoquer Freda parce que ça est important. Parce qu'il fait le sentir bon. Il fait le sentir bon, il purifie, il odeur bon pour purification. Par exemple, là, nous faisons manger à l'ail, on a bagarre au café, c'est lui mon petit bougie. Le monti en sang. Okay. Donc, odeur, après l'humain, là, après chasser l'autre odeur. Donc, odeur, compter en pile, pas de spiritualité sans odeur. Ok. C'est ça. Ok. Spiritualité marche avec odeur. Marche avec odeur, parce que le sens de l'odorat est très important. L'op évoqué esprit, l'op évoqué guinée, l'op évoqué ancêtre. Bon, là, nous arrivons dans un moment côté que nous allons dresser assiette. Là, Jean-Claude Mounio dit nous allons ranger. Nous toujours qui t'es invité à, oui. Nous toujours qui t'es invité à ranger assiette li. J'enlevé dans style li. Et puis après ça, pour nous faire photo plate. Là, pour nous dire plate, ça, c'était plate invité à. Mais j'ai qu'on ça me dérange. C'est qu'on ça le dérange. Donc, pour gagner un couteau, si vous voulez vous couper poulet, en ciseaux, Jean-Claude, vous voulez faire li. Entre temps, nous avons rappelé au. Ou même là, qui absolue l'émission ça, ou capable toujours abonner à cette chaîne Docteur JFA, Lumière sur le monde. Ok, Lumière sur le monde, qui c'est une émission qui est diffusée à chaque semaine. À deux fois par semaine, le mercredi après-midi à 5h30, me répond à une question que yon moun pose sur affaire religion. Ok. Et ça fait me porter non pasteur toujours. Okay, oui. Et le dimanche, là nous aborder des problèmes culturels, des problèmes historiques, des problèmes politiques, oui. Là, oui, au milieu là. Ok, oui. Ok, voilà. Bon, les gars, t'as sorti. Pas de bombe, tout bien coupé pour l'air, non? Non, mais pendant ce temps, nous avons fait notre boss à tout, nous n'avons pas de problème. Ou bien, cahier d'eau, soufflez. Non, pas bon, pas bon. Mais pourquoi tu as pire aimé dans poulet ça au poids? Ah oui, pour poulet, elle est tellement bon, mais oui. Que belle vague ça. Est-ce que, parce que, quelqu'un qui est capable de penser que c'est un kabbaliste, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que vous même adhérez à non? Mais tu dis kabbal comme théologien. Ok. Mais je ne pas un kabbaliste. Je comprends comment kabbal fonctionne. Ok. Mais c'est vraiment un. Ils sont croyants, hein. Oui. Ils disent pas qu'on a fait bon Dieu. Oui. On croit nos énergies premières de qui nous toutes dérivées. Même son vaudou. Pourquoi ça me bat dit vaudou? Ils ont dans le sens que me tenir loin de tout à fait de pratique, de pratique chose. Mais c'est sûr que façon que me concevoir bon Dieu, façon que me concevoir fait bon Dieu. Ouais, dans qui sens énergie première. Façon que me concevoir la vie, est très influencé par le monde vaudou. Okay. Donc même pas kabbaliste, pas ougan, c'est une des sages, je l'aurais dit, hein. OK, oui. Pas gagner aucun complexe par rapport à ça. OK. Donc à songer me pas peser ça là-dedans, non. Et ça me va faire la cognon, moi je peser ça là-dedans. Ça là-dedans pour le bon. Oui. Pour ça là-dedans. Est-ce que peser oui. Est-ce que yo boit Florida tout, non? Non. Parce que quand le monde prend loi vie, y a ça c'est le monde là. Si le monde là là il chevauché par un esprit. OK. Il est capable de faire pile bagaille qui montrait que ça nous habitue, ça nous apprend l'école là. Oui. Ne dit pas tout, mon n'a mangé en bouteille. Il est pas blessé. Mon n'a prend un fer qui chauffe à 800 degrés Celsius. Oui. Il rentre dans la bouche, il va blessé. Tant que vous avez guidé, vous avez piment, vous lavé. Partie génitale, oui. Il n'y a pas grand, mais de même, mon n'a pas de bouteille de Florida, il la gueule dans la bouche. Parce que là, il est chevauché. Ok. Il dit que bon, ça, on a un adorcisme. Il y a une autre force qui dans lit qui prend contrôle de lui. Ok. Mais en temps normal, ou pas boire Florida. Ok, ok, ou pas boire Florida. Je pense que nous allons aller dans le petit bocal là. Encore. Vous mangez à Belle. Manger à Belle avant pour nous manger. Maintenant que je viens peser manger à Belle. Ah oui, parce que je pense que c'est une parole qui est intéressante. Il y a des questions. Il dit les lois sont classées en deux groupes principaux, les lois doux ou blanc, ritrada. Et chaque esprit ou loi du vaudou a sa propre couleur et son jour d'office. Pourquoi? C'est ça que je dis. Hein. Et que loyaux, généralement, les lois, pas toujours,
d'Ambala patron humain. Mais généralement, les lois, c'est d'anciens humains okay. qui te vivent sous terre, qui viennent mourir et qui viennent rendus à un stade mm-hmm. que qu'on y est, ils viennent dans un stade méritoire, dans un stade okay. méritant, ils viennent loi. Ok. Eh bien, loi a une personnalité. Gagnon en Ogou par exemple, son loi qui est Chango, ok. Ok. Gen loi qui pi dou. Qui pi dou, ok. Et bien loi tout, li gen bagay li remè, gen loi kremè manger tel bagay. Mm-hmm. Gen loi qui remè clairè. Ok. Gen loi, nous sommes parlé de ça, qui mm-hmm. associe à telle odeur. Ok, oui, oui. Gen loi qui associe à telle couleur, ben gen loi tout qui associe à tel jour. Ça, tel c'est okay. normal. Ok. C'est normal, là, même non jour yo, lundi, mardi, mercredi, yo associé à des divinités de la mythologie romaine. Donc, eh bien, dans le panthéon vaudou aussi, loi a une personnalité. Mm-hmm. Et dans Bala, il y a une couleur remain. Erzugi dans Thor, il y a une couleur remain. Ogou, il y a une couleur remain. Et il y a quelques jours qui consacrent telle loi mm-hmm. et dans jour ça au porter tel rade. Ok. Exactement. Ok. Est-ce que on va bon couvert non on va bah fouchette grêle on va on va vraiment manger. Mes amis pardonnez. Ça mais si j'ai fait là bas alors on va piquer on va manger mais tout hein. Non mais oui c'est ça qu'on rite. Je vois c'est que on pense que côté en Afrique nous ne mangeons jamais. Ils sont pas gars extraordinaires ou en contact avec. On mange jamais on mange pied à tête tout. Ok. Oui. Voilà. Ça c'est pour vous couvert par vous. Donc et ça nous va le faire. Nous va prendre une pause mm-hmm. et après pause là, on va manger puis après ça pour nous dire au revoir après pause ça, on va retourner pour nous capable du bye bye, on va retourner tout de suite. Salut tout le monde, nous sommes présentement dans les studios de Télé Radical pour vous présenter tout simplement Titine, mon émission à votre voix. Simplement Titine est le show à découvrir de nouveaux talents et bien sûr à suivre les anciens artistes que nous n'avons pas vus depuis très longtemps. Alors je vous invite tous, c'est un rendez-vous. Bienvenue au plateau Téléradical. Je me nomme Shiloh Mead, je serai votre animatrice pour l'émission Tabou. Alors cette émission recevra des personnalités publiques ainsi que monsieur et madame tout le monde qui ont vécu une expérience de vie sombre et marginalisée. Alors je vous attends à chaque semaine sur la plateforme Téléradical. J'espère vous voir en grand nombre. Merci. Nous tournons, mesdames, messieurs, nous presque arrivés. Bon, quand nous arrivons dans la fin émission, hein. Va, nous bien manger. Bon, manger, dis, c'est bon ton poulet. Plaisir. Bon poulet bien pesé. Oui, bien pesé. Même si on a pesé, bouger. Nous pesé salade là, tout le bar a été bien pesé. Et puis nous manger après. Alors, docteur Fizeme, avant que nous finissions, nous allons aller dans le bocal là une dernière fois. On dit dernière fois. Pour nous faire la digestion. Quand on a fini de manger, je n'ai pas intérêt à arrêter non là. Je dis, nous finissons manger. C'est Dominique qui est ah, c'est qu'on dit, on va comme ça. La Vierge Marie était-elle une prostituée? Selon ça, le monde qu'a pensé. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Au fait, nous connaissons très peu de choses sur Jésus. Je pas même croire que le Jésus du Nouveau Testament déjà existait. Bon, le mot Jésus, son nom commun, les gens, à peu près tout haïtien, les gens. Et bien, dans la culture juive, Yeshua, c'est un nom commun. C'est un nom commun de personne. À peu près tout le monde intégré les Yeshua. Bon. Maintenant, le mythe autour de Jésus, son mythe qui pourra le construire petit à petit, à partir, et qui pourra le synthétiser au 4e siècle dans les palais de Constantin. Mm-hmm. Maintenant, pas dans rien à faire sans Jésus qui est vrai, en rien. En rien? Non, rien. Avec rien. Noël, on a fêté. Non, ça c'est. Nous connaissons Noël, on a fêté. C'était la fête de Mitra. C'est
la naissance du dieu Mitra qui correspond au solstice d'hiver. Alors ça c'est important qu'on dit li, pas grand rien à faire Nouveau Testament qui est historiquement vrai. Soit regardez la légende selon laquelle Jésus c'est petit yon humaine avec un dieu, c'est comme ça qu'on construit héros dans l'Antiquité. Oui, oui, oui. À peu près tous les héros de l'Antiquité, c'est ça d'avarelé des théanthropes, ça veut dire qu'ils ont partie dieu, ils ont partie humaine. Donc ça c'est copie, c'est wow. C'est plagiat. Deuxième bagaille, affaire de 12 disciples là aussi c'est plagiat. Affaire de yon disciple qui mourit, enfin un maître qui mourit et qui ressuscité, ça aussi c'est plagiat. Donc pas grand rien. Ah, mais ça veut dire que vous voulez dire que croyance nous monde qui aussi j'ai nous grandi, n'a prié, n'a prié. C'est croyance, c'est mythe. Et mais c'est ah, mais nous tout le monde aussi. Non, mais attention, l'homme dit ça pas grand rien d'extraordinaire pour un monde qui formé dans histoire antiquité, dans histoire mythe tant qu'au. Mais c'est normal, mythe, c'est intéressant. Mythe, c'est des histoires que racontez-vous de manière à ce qu'on tire une leçon morale. Ok. Yon mythe, pas jamais gagné pour but de faire quoi que ça l'a raconté ou l'a passé vraiment. M'gagne la kay mwen des tomes sur des mythologies grecques, sur des mythologies romaines, sous mythologie indienne, sous mythologie africaine. Mais par mon monde. Cap j'en prends au pied de la lettre mythe ça yo c'est des mythes que oui. Le but de un mythe c'est enseigner ou yon leçon morale, yon leçon pour le vivre ensemble. Problème avec chrétien yo c'est que yo vinn prend mythe nan qui c'est des tales en anglais, des contes, yo prend pour history, yo prend pour de véritable histoire. Et c'est ça que fait en allemand, monsieur, on dit que faut ne pas confondre history avec Geschichte. History, c'est conte, c'est blague. Mm-hmm. L'homme on a parlé de Bouki Actimalis. Oui. L'homme on a parlé de, pas connais moi-même de Bouki Actimalis. Mm-hmm. Papa, j'aime pas mon personnage qui était les Bouki, pas mon personnage qui était les Timalis. Mm-hmm. D'ailleurs, deux personnages ça, yo, justement. Pas grand-rien de plus vrai qu'une fiction. Oui. Même j'en connais en littérature. Oui. Mais là, on appelait une œuvre fictive. C'est pas parce que personnage ça n'a pas existé tel quel que histoire n'a pas été utile. Donc, est-ce que Marie, ton prostitué, non, pas même quoi t'es grand Marie. Okay. Bon, pas grand Marie ça, Marie, étant donné que à peu près toute femme juive est les Myriam. Yeah. Donc, son nom commun de personne, mais. Pas gagné, et puis m'insister comme docteur en théologie, surtout comme historien, pas gagné dans le Nouveau Testament qui passait Jean-Noël Yavre. Tout ces montages, toutes ces des œuvres de foi. C'est légende. Et okay. Puis c'est correct. L'homme appelé en Fab de la Fontaine, c'est pas parce que Fourmi va déjà me parler vrai, que Cigale va déjà me parler, que je pas capable de tirer une leçon de la fable, la Cigale et la Fourmi. La cigale et la fourmi. C'est pas parce que Patagon Marie. C'est pas parce que papa gon Jésus Jean Nouveau Testament dit là que histoire ça yo papa ka utile. Le problème nous avec protestants, c'est parce que yo prend histoire Nouveau Testament ou tel quel. Et me dit protestant parce que les catholiques là, précisément parce que yo plus érudit, parce que yo plus formé, yo pas croit dans pied de la lettre de histoire ça. La dernière question. Oui, la dernière question nous pour avant que nous aller, m'te voulez souligner ça parce que ou sorti en pile livre qui disponible tout sur site internet ou hein, que moun yo capable al commander pour nous envie si nous envie à connaître plus de ça n'a parlé là qui très intéressant. Moi pense que c'est toujours intéressant pour nous connaître agrandir connaissance nous. Monsieur ça qui là sont vraiment un monument, c'est un archive, c'est un monde qui gagne en pile connaissance et que c'est un pile plaisir pour moi pour me camper bon côté li pour me faire émission ça dans cuisine dans jodi an et m'a tout profiter dire merci bon viens de bien peser bien peser bien peser donc c'est la prochaine fois vous laisser au m'a bien peser pour ça nous va terminer 200 ans de zombification massive. Est-ce que on pas aller un peu trop loin trop dur avec les églises évangéliques? Non, parce que historiquement soit regardé ancien kidnappeur yo, ancien maître d'esclaves yo, yo servi avec deux bagailles pour yo ken bayisyen nan yon état de zombification. Deux, l'école ak afè religion. Donc, pour afè européen yo, blanc français, monsieur Romeo, italien yo,
yo se va avec paix breton que yo te voye vinn faire l'école pour nous et pour montrer nous bon Dieu. Mais américain, le rentrer en Haïti à compter 1915, exactement ça blanc français t'est fait pour qu'embé nous dans zombification en se servant de l'école avec religion catholique, et les américains ont fait la même chose. Ils se va avec l'église protestante et l'école. Donc tout ça où Haïti a bail jodi a là, c'est effet l'école avec l'église. Si vous changez l'école Haïti, vous mettez l'église dans Wolay Haïti développé. Tout on peut toucher l'école. D'ailleurs, nous posons dans une émission comme ça dernièrement, nous relais l'école coloniale. Son l'école qui fait raite tout. Moi-même l'école, tu imagines pas en bas les créoles, pas en bas qu'on parle les français, mais l'école, il fait éducation en français. En français, puis yo interdit pas les créoles. Oui. Mal l'école qu'a frère, même pas gain droit bien avec un élève qu'a non l'autre l'école. Parce que c'est ti bagarre pour rien. Ou comment on divise oui, nous oui. Parents qu'a vaudouisant, mais a utiliser ti moun nan là pour le communier pour le dénoncer parents. Et leur bon parent qui catholique, yo dou ou pas gain droit prendre un parrain ou un marraine qui vaudouisant. Donc c'est l'école avec on l'église qui détruit Haïti comme ça. Donc moi-même, comme historien, je regarde ça, je me dis, travail l'église en Haïti, son travail de zombification. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de sinistré? Oui, il n'y a pas de sinistré, mais c'est pour maintenant dans la dépendance. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas fait l'école? Oui, il fait l'école, mais qui l'école? L'école qui produit genre de politiciens que nous. Mais pasteur, il n'y a pas de avec vous quand même. Oui, mais... Parce que là, je regarde, il y a un pasteur qui est très présent sur les réseaux sociaux, oui. qui a fait un pile jeune, un grand pile monde qui a suivi. Oui. Et je connais un pile fanatique émission ça à tout, qui c'est des chrétiens qui a suivi, qui sont capables pas content tout. Et bon, je pense que vous même opinion là, il fondé, et vous comprenez, vous va gagner. Non. Et puis moi-même, je ne suis pas dans le goût, mais je dis mes opinions, je fonde, je dis mes sous qui sont basés. Maintenant, si on a une opinion contraire, tant mieux. Oui. C'est comme ça que je grandis dans la vie, mais on n'a pas besoin de jouer. Je suis pasteur même. Le jour, le dernier dimanche du confinement, vous songez, j'ai écrit un article, la pandémie en fait paraître, on dit COVID-19, la pandémie qui a tué Dieu. Cet article-là, selon statistiques que Facebook Bamouin, a été lu plus de 87 000 fois. Wow. Et puis, un pasteur qui a une émission pas avant pas dans la radio. Qui dit oui, mon pasteur qui est critique que mon Dieu mourit, c'est pour mon Dieu faire Dieu le péter tant oh, Paul. C'est pour machine. Ça. Oui, bien sûr. C'est pour mon Dieu faire machine chavira avec lui. Donc voilà. Okay. Nous oui, donc nous gain droit, oui, gain des opinions différentes, mais c'est là nous venons tomber dans l'intolérance. Nous venons tomber dans l'intimidation, bagayo. Mais c'est un plaisir pour moi. Merci en pile, merci en pile, docteur Fizeme. Merci. Je vais aller, je vais vendre oui, des boutonnets, je vais t'en plein. On t'a invité un peu souvent. On t'a invité un peu souvent pour que ça fasse plaisir. Vous nous voulons plaisir manger. Ça va. C'était merci d'être dans la cuisine avec invité nous aujourd'hui, docteur Fizeme, qui t'a accepté, passer ce moment ça, pour t'accepter, venir peser pour là, venir peser salade là. Venir peser JIA, tout. Nous devons bien manger ensemble. Alors, regardez l'émission qui va venir semaine prochaine. C'était Zami pour merci d'être merci. Pas oublier Cliff qui était dans contrôle qui a géré toute technique ça. C'est Cliff qui mettait nous l'huile dans sa genouille. Merci à tout le monde qui a supporté nous. Pas oublier abonner, partager, faire commentaire parce que nous comptons sous participation. Merci, Baba. Merci beaucoup. Mon amour. Il faut qu'il y ait lié à l'homme. Mon amour, yes. Avant de parler. A quitté le marché. Quitté le marché. Mon amour, le téléphone à l'homme. Ah bon? Oh! Non, mais si nous avons des fois, nous prochaines, il faut qu'on ait une émission. Ça. On a fait un bon nom. Là, on fait le travail, si tu arrives, on va pas se prendre une histoire là. Oui. Si tu arrives, fais nous. Pas de problème. Faites-moi dire que je vais prendre mon cash. Et puis, on continue de travailler. Qui sort plus peu en tant qu'être humain?